Je ne sais même pas dans quel sens commencer cette vidéo. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur Nico Cado Avocado. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire un très très gros résumé, il a commencé sur YouTube en faisant du contenu vegan. Il parlait de véganisme, etc. Il s'est rendu compte que la communauté vegan était extrêmement toxique. Donc, il a commencé à manger plus trop vegan, quoi. Et il est rentré dans une sorte de cycle où il a commencé à faire des mukbangs. Donc des mukbangs, pour ceux qui savent pas, c'est manger des quantités astronomiques de nourriture en vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sauf qu'en faisant ça, pendant plusieurs années, il est passé de skinny, de quelqu'un de très fin, à extrêmement obèse. Mais quand je dis extrêmement obèse, c'est extrêmement obèse. Donc pour sa santé, pas top du tout. Sauf que plus qu'il faisait de vidéos mukbang, avec des quantités toujours plus astronomiques, plus il faisait de vues. Donc en fait, plus il faisait de vues, plus il gagnait d'argent. Sauf que plus il faisait de vues, enfin pour faire plus de vues, il devait se faire de plus en plus de mal à sa santé. Pour vous donner un exemple, on va regarder une vidéo, juste pour vous montrer un peu le personnage. Voilà. Donc ça c'est lui. Voilà. Donc vous savez, ça c'est les chariots aux États-Unis pour les gens qui sont un petit peu qui ont de l'embonpoint. Qui peuvent même plus trop marcher, il y a des caddies pour faire leurs courses. Voilà, donc ça c'est le personnage. Donc assez exubérant. Voilà. Donc c'était ça à chaque vidéo. Chaque vidéo, il mangeait des quantités astronomiques. Bah là, 907 grammes de cheese, enfin de fromage. Donc comment vous dire que quand vous faites ça à chaque vidéo, c'est pas fou. Voilà, hein, c'est pas fou. Et donc ça, la dernière vidéo datait de 7 mois. Donc il y a 7 mois, il était dans cet état-là. On va remettre une autre vidéo si vous voulez pour vous montrer dans quel état il était il y a 7 mois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a également une personnalité très exubérante. Il a du mal. Il avait du mal à respirer. Donc on en était là, quoi. On était quand même à un truc vraiment assez extrême en soi. Assez extrême. Voilà, donc encore une fois, manger des quantités astronomiques, etc. Et là, il y a littéralement 6 heures, donc aujourd'hui, il a sorti une nouvelle vidéo et je voulais vous montrer ça. Donc il a fait plus d'1 200 000 vues en 1 heure. En 6 heures, pardon. Another follows
those numbers, those numbers. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain. Et donc là, moi ce que je... Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant il était fin, comme là. Pendant des années, il a mangé, enfin c'est même pas manger, c'est se goinfrer. Il était arrivé à un point à être dans une obésité morbide. Et en 7 mois, il a perdu autant de kilos. Je ne suis pas un spécialiste du régime, hein, je le dis très clairement. Mais ça me paraît incroyable de perdre autant de poids, de masse, en 7 mois. Alors, est-ce qu'il y a eu une opération chirurgicale? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Peut-être. N'empêche que c'est incroyable. Il était vraiment connu. Bon, pour ceux qui le connaissent, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais pour ceux qui le découvrent, c'était vraiment le mec. Il était connu pour pleurer en vidéo, pour manger des quantités astronomiques de bouffe. Et surtout pour avoir des problèmes de santé dus à la bouffe. Et là, en 7 mois, le gars, il revient, pas de vidéo. 7 mois, pas de vidéo, le mec revient, il a re un corps normal. C'est incroyable. Il fait peur un peu, ouais. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Alors je sais pas, ça fait combien de kilos? Alors, on va pas regarder toute la vidéo. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi la qualité est aussi horrible. Il y a une partie 2. Je sais pas si c'est du même acabit. Ah, c'est sa seconde chaîne. Welcome to Nikocado 2. This is my second channel and I hope you consider subscribing because I don't even know if people like me. Or they want to hear from me. I haven't made a video for like 2 years. And this is where I'm posting now on this channel. So I hope you consider subscribing if you want. I'm actually posting more next. Bon, voilà. Bon, écoutez, on va pas regarder toute la vidéo. Mais je viens de tomber sur ça. Il y a 7 mois, c'était vraiment le gars en obésité morbide qui n'allait pas bien du tout, qui pleurait en vidéo, d'ailleurs, il avait ouvert un OnlyFans avec son copain, etc. Une histoire absolument dingue. Et le gars revient, poste une vidéo, fin comme un doigt. Alors, encore une fois, je le répète, je ne suis pas un spécialiste du régime. Mais perdre autant de poids en 7 mois... Attendez. Nikocado Avocado.
Enfin, le gars, il était comme ça. Le gars, il était comme ça. Hein. Je sais pas si tu vois, le gars, il était comme ça. Et là, il revient, bim. Perdre autant de poids. Ça, c'est... Perdre autant de poids en 7 mois, ça me paraît dingue. Juste en faisant du sport, en mangeant bien, etc. Puis même, à partir du moment où ton corps, ton ventre a été autant tendu, il y a forcément des restes. Même si tu redeviens fin, ton ventre, il est... Donc je sais pas, voilà. Je voulais vous partager cette information, enfin, faites ce que vous voulez. Voilà. C'était tout pour moi. Ciao.